Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 10 du coup de Stardew Valley. Donc l'autre fois, on n'a pas arrosé les champs, mais écoutez, apparemment ils ont pas fané, on va dire. On va l'arroser, non, on va aller remplir la gamelle d'eau du chien par contre. Parce que le pauvre, il va mourir de soif sinon. Bon, on n'a pas eu du coup notre fer la dernière fois, donc je suis un petit peu en mode bad. Je vais pas vous mentir. La mine, au final, on a tué les slimes. Mais bon, ça s'arrête là, on va dire. Ouais, ça rapporte quasi rien. Bon, écoutez, on vend tout ça. Le bois massif, je sais pas à quoi il sert. On va peut-être le vendre aussi. Ok, hop, on arrête de vendre des trucs. Ah, ouais, on peut le mettre sur nous, ça. Ça l'a mis tout seul? Ah non, comme ça! Ah nice, on a une immunité en plus! Donc au niveau de la pêche et du combat, on a rien. Ok. Pourtant, on a tué des trucs, hein. On a tué des bignous, je dirais. Bon, c'est parti. On va casser vite fait quelques-uns, histoire de se faire des casse-croûtes. Et j'ai envie de vous dire qu'on va tenter d'aller voir le... Comment il s'appelle? Clint? Pardon. Donc le forgeron, histoire de voir s'il y a moyen d'acheter du fer, du coup. Parce que apparemment dans la mine, ça a l'air chaud cacao, les amis. Alors, parce que j'ai pas envie de refaire un épisode où on passe la moitié d'épisode dans la mine. J'ai envie de varier un peu le gameplay, on va dire. Donc, on a eu un truc là. Et en vrai, je vais essayer de me faire des casse-croûtes et tout pour anticiper la prochaine fois qu'on ira dans la mine. Bon, en tout cas, le jeu est vraiment adorable, formidable, c'est un truc de malade. On va pas casser le petit arbre, comme ça on va le laisser pousser, histoire d'avoir un grand arbre à casser. Ça rapportera plus de bois. Par contre, la hache de Robin, j'en ai toujours aucune fichue idée de comment je pourrais l'avoir, la retrouver. Donc je vais pas vous mentir que ça m'embête un peu. Alors, on n'a pas eu de pomme de pin, très bien. Alors, il y a des sapins là-bas. Ouais, on va aller voir les sapins qui sont là-bas. Allez, allez. Non? On a tout cassé la dernière fois? Est-ce qu'on avait tout cassé? En tout cas, on a une immunité de plus, donc pour aller dans les grottes, ça va être pas mal. Et non, il y en a encore là. Ah, j'ai pas ma faux sur moi. C'est dommage. Alors. Donc. Ouais, je cache juste pour avoir des. Une pomme de pin, pardon. Et ensuite, eh ben. On ira voir Clint. Il faut que je maintienne le clic au lieu de cliquer, spammer le clic, les gens. Je sais pas ce que j'ai avec ça, je fais toujours l'inverse. Oh, on n'a pas de chance, hein, pas de pommes de pin là. Le jeu a envie de me troller ou bien? Ah non, mes pommes de pin dans l'inventaire, regardez bien. Regardez que c'est ça. Dès que je me suis fail. Alors, ah, on a quasi plus d'énergie déjà. Oh my god. Yes! Ah oh, oui, on a de quoi en faire. Alors, vous savez quoi? On va en crafter un maximum à chaque fois. Mais on va tout garder. Pour quand on retournera dans la mine. Au moins, on déblaye un peu le terrain. On se fait du bois. Parce que pour améliorer la maison, je suppose qu'il va nous falloir pas mal de bois, de pierres et d'argent surtout. Donc, ma foi. Donc l'épée niveau 1. Il faut aller voir Gunther avec tout ça. Donc écoutez, on va aller voir notre petit Clint. Pour voir s'il y a moyen de lui acheter ce qu'il nous faut. On a des géodes, on a tout ça à donner au musée. Du bois, donc on range les fleurs là, on les range. Écoutez, ouais, on va faire ça. On va aller voir Clint. Et dès qu'on rentre à la maison, on va tenter d'arroser tout ça. Malheureusement, il va falloir qu'on prenne un peu d'énergie pour pouvoir. Ah, une fleur. Ça, je prends. On prend. Ah, il y en a encore une là-haut. Allez, allez, on va chercher ça, les amis. C'est des fleurs qu'on peut offrir, donc c'est plutôt bien. Et des fleurs qu'on peut consommer, ceux-là, je crois aussi. Donc c'est plutôt bien. Alors, go, on y va. On va aller voir Monsieur Clint. Et on va arroser après les plantations. Parce qu'hier on l'a pas fait et ce serait dommage de perdre tout. C'est dommage, c'est le printemps et j'ai l'impression qu'il pleut beaucoup moins. Et du coup, ça nous ralentit un peu dans la progression les champs. Ah,
une baie et une framboise. On prend. On fait les pickpockets des gens. Il y en a encore une là-bas. Dans le truc du maire. Il va nous engueuler, vous croyez? Promis, Lewis, je viens pas t'embêter. Je veux juste piquer à manger. C'est la mode. La meuf en mode PLS total. Bon. Ah, voilà, Gunther est là. On va aller voir Gunther. Ah! Comment on avait fait l'autre fois? On a déjà amené un truc à Gunther, je suis pas taré quand même. Ah, on peut faire qu'un truc à la fois? On n'a rien eu? En donnant quelque chose? Sérieux? Il faut aller au livre? Bah mince. Ça rapporte rien de donner des trucs? Il semble que tu n'as rien à offrir au musée. Hein? Bah si, j'ai des trucs à donner. Bon, bah il veut plus rien. Ok, très bien, moi bien, au revoir. Oh, je vous jure, quelle politesse. Je l'aime pas, ce Gunther, je vous le dis. Alors, salut toi. Alors, ouvrir géode. Alors, du cuir. Déception. Ah, c'est un truc sympa, du coup. C'est quoi, ça? Alors, on casse tous les amis, on voit après ce que c'est. Oh, on a des trucs. Ok. Ah, attendez. Acheter. Ah ouais, 150 pour avoir un minerai de fer. Donc je suppose qu'il va nous en falloir 5 pour faire un minerai, un truc comme ça. 5, 3, 5, 3 ou 5, un truc dans le genre. Bon, écoutez, on va essayer d'aller au musée. Flûte. On est en mode PLS. Mais il se passe rien quand je donne des trucs. Récompense. Youpi. Non. Bah, c'est quoi ma récompense? Récupérer récompense. Ah, des graines de chou-fleur. Nice. Pousse pendant 12 jours. Ah ouais, ça va mettre du temps par contre. Ok. Non! Donner au musée. Ça rapporte rien du tout? Bon, bah écoutez. On a eu des graines de chou-fleur. Bah écoutez, je suis plutôt contente. On va pouvoir améliorer nos plantations. Donc on rentre à la maison. On va l'arroser déjà tout ce qui est déjà planté. Avant de planter d'autres trucs. Et du coup, pour le faire, bah, il va falloir revenir. Il va falloir revenir, les amis. On n'a pas le choix. C'est parti. J'aimerais bien au moins faire un seul arroseur. Ça nous aiderait un peu déjà. Oh, il y a pas mal de baies. On va prendre. La meuf, ça fait vraiment... la pauvre fille qui a pu à manger, vous voyez. J'aime pas. Ah, my god. Quel jeu. C'est terrible. C'est terrible. C'est affreux. Il se moque de nous. Et nous, pauvres pouilleux. Ils nous jettent tous les deux. Non, faut que j'arrête. Je vais vous faire fuir. Normalement, vous connaissez cette chanson quand même. Enfin, j'espère pour vous. Quel magique univers. Pour cette romantique atmosphère. Et je dis que j'arrête et je continue. Mais je kiffe les Disney, les gens. J'ai plus rien. C'est une drogue, vous voyez. Et il y a pas mal de baies là, en vrai. On va se blinder niveau framboise. Je sais pas vous, mais moi, y a rien, j'adore les framboises. Alors là, les voir dans le jeu, ça me hype. Alors, bon sang, bonsoir. Il est 15h, donc ma foi. Il est 15h, les oiseaux chantent.
Les feuillages bougent, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Hop. Ah, oh, punaise, il y en a tellement. Et encore, j'ai pas récupéré celle qui était beaucoup plus bas. Oh ouais, my god. Il y en a partout des framboises. Je m'attendais pas à ça, les amis. Alors, c'est parti. Donc, on va à la ferme. On va aller arroser nos plantations. Et puis, eh bah, dès qu'on aura dormi, on retournera voir Gunther en espérant avoir de l'argent. Pour tout simplement pouvoir, bah, hey, avoir enfin un arroseur automatique. Donc écoutez, là on va arroser déjà tout ça. Oh, je kiffe ce jeu. Eh, je vais arroser sans vous, vous savez quoi? Je vous reprends dès que j'ai arrosé. Je vous reprends à tout à l'heure. Alors les amis, on se retrouve. Donc c'est bon, j'ai arrosé tous les champs. Du coup, bah, on n'a plus d'énergie. J'ai pas amélioré le champ avec les nouvelles plantations, j'avoue. Donc le cuivre, on le remet là-dedans. Ça, il n'en a pas voulu d'autres, ça non plus. La terre, je peux la vendre. Ces fleurs-là, on va les garder. Les casse-croûtes, on va les stocker. Ah, les cailloux aussi, d'ailleurs. Alors, on va s'occuper. On va mettre à vendre ça, ça. J'hésite à vendre les baies pour me faire un peu d'argent. Non, je pense qu'on va attendre parce que je pense qu'en vrai... Donc j'en ai déjà mangé 5 d'ailleurs. Alors on va reprendre une deuxième histoire de pouvoir planter notre champ de chou-fleur. Alors, un petit coup de houe. Une houe. Bah. Ah, mes flûtes! On n'est pas encore assez loin, mais what? Non, le champ va pas être comme je voulais du coup, vu que, bah, comme d'hab, quoi, je me suis foiré. Oh my god, hello. Le chien, il dort dehors? What the fuck? What the fuck? Tu dors dehors, le chien? Même moi, IRL, mon chien ne dort même pas dehors, donc comment tu peux vouloir dormir dehors, quoi? Les gens, moi, pas comprendre, là. Pas comprendre la race canidée, là. Alors, hop. Comme ça, on va pouvoir en même temps ramasser les haricots. Ah, les haricots, pardon. Et ça sera pas mal. On n'a plus d'énergie les 21h. Mais vous savez quoi, j'ai envie de tenter un craft. Non, pas la sève. On peut faire des parts. Oh, chemin en bois ou en pavé. Écoutez, on va s'en crafter un peu. Je veux voir un truc. Ah, yes, on peut les poser et tout. C'est classe. My god, les gens. Et là, je peux pas. Mais comment je fais pour en retirer la terre qui est labourée que je veux pas, par exemple? Parce que là, c'est un peu ça mon problème actuellement. C'est que j'ai des terrains labourés alors que je m'en fiche en fait. Faut rester poli. Ah, il m'en reste encore un. On va le poser. Et il veut pas se poser là. Hein. Bon, voilà. Écoutez, on va dormir. Et on va passer au second jour de l'épisode. J'espère toujours la pluie. Ah oui, il faut que je clique pour rentrer. Mais hey, c'est pas vrai. Mon cerveau, les gens, il est pas connecté des fois. Hein, je vous le dis. Allez. Oui, on va faire dodo. Alors. Ah, ça nous a rapporté un peu d'argent. 399. La moule 30, ok. Ah, le bois massif. Ah, l'argile. On a eu 4,80. Ça fait 20 l'argile. On n'a eu qu'un panier. Ok. C'est pas mal. On n'a pas augmenté nos compétences. C'est le truc dommage, quoi, mais bon. Tant pis. Allez, mon toutou, c'est parti. Nouvelle journée qui commence. Ah, il pleut, les amis. Oh, je suis ravie. Je suis heureuse. Ah, bah, il a encore de l'eau. Oh, on a plein de trucs qui sont poussés. Ah, on a même planté des fleurs, du coup. Oh les amis, je suis ravie. On va pouvoir aller s'acheter masse graines. Là, c'était le champ avec toutes les graines que j'avais pu avoir qui n'étaient rien en gros. Je sais pas dans quoi je vais investir.
Bon, on va aller chez Pierre, on va aller voir Clint. On va aller revoir le gars du musée, Gunther, avec ça et ça. Attendez. Oh, on a plein de trucs étoilés en plus. C'est cool. Non, je me suis fail. Ah, il faut que j'aie dans ma main. J'ai l'impression qu'on peut le cuire, ça. Yes. Ah, est-ce que ça nous rapporterait plus? Est-ce qu'on peut l'amener au musée quand c'est cuit? C'est ce que je pose comme question. Ah, écoutez, on va améliorer notre champ, là, parce que je vois qu'il est un petit peu démoli. Je sais pas trop comment ça se passe quand on se foire au niveau du champ. Parce que vous voyez là-bas, mon bloc de chemin m'a un petit peu enquiquiné la vie. Ah, mais c'est pas vrai. Et je trouve vraiment. Par contre, c'est ça, c'est le truc qui m'embête le plus en jeu. Parce que, en gros, le jeu est très très bon. Moi, j'adore l'ambiance qu'il y a dans le jeu. Mais alors, ça, le fait que quand on passe un coup de houe, ça n'aille pas forcément là où on veut. Je vous avoue que ça m'agace un peu. Il faut être super lent, vous voyez, pour avoir en gros le bloc qui est devant. Et ça, c'est dommage. Regardez là, hop. Alors là, c'était les fraises, je crois que j'avais mis. Toujours pas fini? Sérieux? Ça met du temps ce truc. Ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de charbon à l'heure actuelle, donc c'est un peu compliqué. Au dernier épisode, on avait été à la mine, donc on va éviter d'y aller là. Alors, est-ce que maintenant, une version plus pure du quartz? Eh ben écoutez, on va essayer d'aller voir ce qu'on peut obtenir avec tout ça. Allez, c'est parti, on va chez Pierre. Allez, cours, Hello. Attendez, il y a des fleurs ici. Ah, il y a une baie. Écoutez, je vais prendre. On va prendre la baie. Donc vraiment, c'est l'objectif arroseur. Hein. J'ai vraiment envie d'en avoir un arroseur automatique. Et de voir comment ça fonctionne, quoi, tout simplement. Parce que c'est vrai que ça serait cool, quoi, pour une ferme. Je tiens pas à tout automatiser, vous voyez, j'aime bien récolter mon champ et tout, mais en vrai, vu que ça nous bouffe beaucoup d'énergie. Ah, il y a toujours un point d'interrogation. Pourrait-il m'amener un brème? Je ne m'en lasserai jamais. Je sais pas ce que c'est dans le jeu, donc je vais dire non, hélas. J'ai pas encore assez de connaissances dans le jeu. Ah oui, d'ailleurs, on a tué assez de slime la dernière fois. Ah, il faut que j'entre dans la guilde des aventuriers. Eh ben écoutez, après on va aller vers la mine, juste pour aller voir ça. Ah, c'est pas mal d'oseille. Yes! Donc. Comment on va se la jouer? Alors. Au niveau de mes quêtes. Plus bas dans la mine, donc il faut que j'atteigne le niveau 40. Ok, donc la hache de Robin, ça j'en sais rien. Donner un cadeau à quelqu'un. Ah, on a rencontré la dernière personne qu'on n'avait pas vue du coup. Ok, donc faut qu'on aille dans la guilde et il faut qu'on offre un cadeau à quelqu'un. Ok. Ah, mais. Si. Faut que j'achète des trucs. Ah, pas du tout compliqué, la fille. Pas du tout. Hop. Alors, on achète ça. On va encore acheter 5 graines de haricots et 5 choux-fleurs. On va reprendre du panais parce que ça pousse assez vite et c'est assez rentable. Allez, 30. Franchement, il pleut les gens. C'est le moment d'en profiter. Allez, go. Soit en vrai, le prochain jour, donc l'épisode prochain, on devra ramasser les panais qu'on avait plantés la dernière fois. Donc autant en replanter là tout de suite. Comme ça, on aura déjà gagné un jour au niveau de l'arrosoir. Et ce sera pas mal. On retournera s'il faut après chez Clint. C'est pas grave. C'est de voir comment pouvoir rentabiliser, histoire de faire de l'argent assez vite, parce que j'aimerais bien agrandir la maison, commencer à faire des petites choses et tout. Enfin, voilà quoi. Alors, tac, on va planter tous nos panais. C'est parti. Alors, petite ellipse. Alors les amis, c'est parti. Là, je suis en train d'essayer d'agrandir, en gros, pour faire un champ de pommes de terre ici.
Et apparemment, ça arrose dans une zone de 5 x 5, un arroseur. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant un peu le wiki. Donc, on va voir. Je sais pas comment il fonctionne. En tout cas, là, je suis chaud pour après aller chez Clean pour essayer d'avoir mon fer. Et là, je viens de penser que j'ai dépensé pas mal d'argent et que j'aurais peut-être dû penser au fait que c'est bien d'agrandir les champs, mais j'ai pas assez d'argent pour le faire. J'ai été un petit peu idiote sur le coup, les amis. Donc, on va aller voir au niveau de la pêche, quoi. Alors. C'est parti. Alors, notre petit champ de patates ici. J'ai agrandi là où il y a les haricots et le chou-fleur. On est plutôt bien. Alors, c'est parti. Allez, on va aller au niveau de. Voilà. De là où il y a le coin de pêche. Essayer de voir s'il n'y a pas des petits trucs à aller chercher. Parce que c'est 150 le minerai. Et j'ai zappé. Punaise, mais complètement zappé. Mais alors, quand je vous dis zappé, c'est vraiment le néant total. Et l'intersidéral, quoi. Le vide intersidéral. Mais vraiment. Là, Hello a pas son cerveau connecté à tous les étages, parfois. Et du coup, elle se fail. De toute beauté. Allez, du coup. Parce qu'en vrai, même. Je sais pas si ça va rapporter des sous. Bon, là, on a eu des graines, du coup, de chou-fleur. C'était plutôt cool. Ça va pouvoir nous rentabiliser pas mal d'argent, je pense. Oh, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? Là, tout de suite, non. L'autre côté. Quel temps pourri, par contre. Mais alors, je suis contente pour les champs, je peux vous le dire. Alors, c'est parti. Ah, il y a encore le gars d'une fois qu'on avait vu ici. Est-ce qu'il faut qu'on lui reparle, du coup? Je me pose la question. Ah, on a un truc gold. Peut-être que ça va nous aider. Vieux marin, j'ai cette vieille amulette à vendre, mais quelque chose me dit que tu n'es pas prête pour ça, mademoiselle. Bah, il nous dit la même chose qu'il nous avait déjà dit. Je suis pas folle. J'ai Alzheimer ou pas? Je pose la question, là. Et je crois qu'on lui a déjà parlé, qu'il nous a déjà dit ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là-bas? La bonne question. Non. Bon, bah écoutez, on va aller voir Willy. On va vendre ça à Willy. Et on va voir combien ça va nous rapporter. Hop. On ouvre la porte. Salut Willy. Yes, on aura peut-être assez. Quoique non, c'est 150. Ça fera 4. Ah si, si, c'est bon. On a assez. 650, qu'on en prend 5, si c'est bon. Allez, go. En attendant d'aller dans la mine et puis de descendre beaucoup plus bas. Ce sera mieux que rien du tout. Alors, oh, je suis passée par Chelmer. J'ai pris le chemin le plus compliqué du monde. Comme d'hab. Allez, c'est parti, on va voir Clint. J'ai rien posé cet arroseur pour cet épisode. Salut Clint! Acheté! On a passé! Il manque pas grand-chose! Je suis deg! Deg les gens! Complètement dégoûté. Est-ce que si je vends mes framboises, ça va me permettre de. Ah! Elle va sortir? Salut! Je crois que c'était Penny, ça. What? J'ai rien à offrir! Bah, il y a des trucs que je suis censée te donner. Bah, je vais les vendre dans mes coffres alors s'il en veut pas. Hein. Parce que clairement, il m'en kikine, lui. Il veut pas des trucs. Alors, il y a encore des framboises là, je vais les prendre. Bah écoutez, on va aller vendre les framboises à Pierre, voir si on va avoir assez pour acheter notre dernier minerai. Parce que j'aimerais vraiment, mais vraiment, mettre l'arroseur, voir si comment ça marche. Alors chez Pierre, c'est plus haut. Ah, il est déjà 17 h passées, ça sera fermé, flûte. Ah non, c'est encore ouvert. Yes. Revenez quand Pierre tiendra la boutique. Mais non, mais Pierrot! Ce n'est pas ce que je préfère. Ok, mais au moins t'as donné un cadeau. Yes, les gens, on a ce qu'il faut. Wouhou. Allez, c'est parti. J'espère que Clint n'est pas déjà fermé. Oh merde. Merdouille. Pardon.
Oh, on a mis trop de temps, je suis sur les gens. Je suis deg. Je suis dégoûtée. Et voilà. Ah, je suis déçue. Ah, je suis déçue, les gens. Déçue, mais vraiment déçue. Ah, flûte. Bon, on rentre à la maison. Avec notre déception. Quoique, attendez. Quoique. On a encore de l'énergie. On va aller voir si Robin est chez elle, en vrai. Parce que j'aimerais bien voir les améliorations, combien elles coûtent. Ça serait pas mal. Je sais pas ce que vous en dites, mais... C'est une de nos prochaines étapes, quoi. Hop. Parce que là, après avoir eu l'arroseur automatique, il faut voir si vraiment il comble ce que je pense. Alors, il faudra qu'on continue aussi le co centre communal, parce qu'il va falloir continuer à le réparer. Hop. Chez Robin, c'est plus haut. Allez, go. Il est 19h20. Bon, elle sera pas chez elle. Je sais pas si on va pouvoir voir du coup. Ah, les journées passent trop vite, les amis. C'est triste. Elle va vraiment venir, vous croyez? Non. Ah non, elle va chez elle. Donc on peut pas. Oh, mais la tristesse, cet épisode, les amis. On n'a pas atteint notre objectif. Bon, bah c'est tout. On rentre à notre maison. On va essayer de casser quelques arbres avec ce qui nous reste comme énergie. Écoutez, ma foi. Et déblayer un peu le terrain. Ça sera mieux que rien faire, j'ai envie de dire. Alors, on va descendre. Alors, on repasse devant chez Pierrot. Ah oui, du coup, c'est Pam, je crois, les... Ah, c'était aujourd'hui! Zut! J'ai zappé! Ah, flûte! J'aurais bien voulu travailler une relation amicale, on va dire. Dommage, j'ai dû louper! C'est l'épisode du loupé! Bon. Eh bah, écoutez. Du coup, bah, on s'occupera de l'arroseur au prochain épisode, hein, j'ai envie de dire. Déblayons. Ah, oh, mais oui, j'ai pas la hache en main, j'ai pris la houe, mais c'est pas vrai. Je suis mauvaise, mauvaise, je vous le dis. Il est 21h. J'ai encore d'énergie, j'ai pas envie d'aller me coucher en ayant de l'énergie. Parce que sinon, bah, c'est du gaspillage, les amis. Hop, allez. Allez, go. On va casser quelques arbres. Encore celui-là, je pense, et après, niveau énergie, on sera pas mal. Vous commencez à fatiguer, ouais, je sais. On va ramasser tout ça. On va essayer de voir si on peut mettre dans les coffres à vendre. Bah, du coup, je vais mettre ça à vendre. Ça. Ça, Gunther n'en veut pas. Donc écoutez, ma foi. J'ai pas enquiquiné avec lui, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on va avoir assez de charbon par contre? C'est la question du siècle. Ah, ça, elle va me rapporter pas mal, elle, en vrai. Attendez. Allez, on va dormir, c'est parti. Le chien, il dort déjà. Il est trop mignon. Il dort jamais au même endroit. Donc, on a la rainette. Je sais pas à quoi ça sert, on verra. La ruche, l'accélérateur et le repas fermier. Et efficacité de la houe améliorée. Eh ben les gens, muy bien, j'ai envie de dire. Donc, on se laisse ici pour cet épisode. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.